Bonjour, nous sommes le 5 mars, il est 9h45, vous entendez les cloches sonner. Alors, elles ne sonnent pas à l'heure, bon, je ne sais pas, il y a probablement un office religieux, parce que regardez où nous sommes à l'abbaye d'Orval. Alors pourquoi ? Ben parce que je suis venu faire un tour dans une bourse aux objets Orval, je collectionne un peu les timbres d'Orval qui sont très jolis, sont des timbres belges très connus. Enfin, j'ai les timbres, mais parfois il y a des documents annexes philatéliques. Et je suis venu voir un petit peu. J'ai trouvé des petites choses. J'ai acheté quand même pour 10 euros. Donc, j'ai pas perdu ma matinée. Mais évidemment, si vous comptiez visiter avec cette petite bestiole. Et moi-même, les ruines d'Orval, bah, évidemment, comme je le sentais venir, nous sommes de la revue, puisque vous voyez le signal, bon, ce qui n'est pas très étonnant, c'est un endroit religieux. Bon, les chiens d'habitude ne sont pas admis. Alors, ce que nous allons faire, comme balade, puisque M. Goliath veut de la balade, hein, et il est où ? Il est là, il veut de la balade. Eh bien, nous allons prendre le chemin que je vois là au-dessus. Peut-être que de là au-dessus, on verra quand même quelque chose. Vous avez remarqué qu'on voit un peu déjà, hein, oui. Mais on ne voit pas vraiment ce qui est le plus intéressant à voir. C'est cette abbaye qui a été reconstruite pendant 22 ans, je crois. Je ne suis pas tout à fait certain du début. Je crois que c'est 1926 et ça s'est achevé en 1948. Donc c'était en ruine. C'est une abbaye qui existait au XVIIIe siècle, totalement en ruine. Et voilà, certains ont voulu la ressusciter. Ah, je crois qu'on va quand même voir. Hein. Il y a des choses qui apparaissent là au-dessus. Bon, enfin, on s'embarque dans la promenade. Et on va peut-être voir cette abbaye reconstruite. Alors, pour les Belges, c'est très connu parce que la bière d'Orval est très, très célèbre. Il paraît qu'elle est excellente. Enfin, moi, je ne bois pas de bière parce que déjà, je n'aime pas. Je n'ai jamais aimé, je n'en ai jamais bu. Et par-dessus le marché, je ne consomme pas de gluten. Évidemment, dans la bière, il y a de l'orge, hein, et donc du gluten. Alors, vous étonnez pas, c'est pas Oxo. Oxo est à la maison, bien loin d'ici. C'est ce matin, en voulant me raser, donc vous voyez que je fais bien de ne pas me raser parce que j'ai risque ma peau. Et il y a le clocher, le sommet du clocher, là. Alors, attendez. J'essaie de... Bon, je vais pas me lancer là-dedans, mais là, là, vous voyez, là. Il y a le dessus d'un clocher que je connais d'après les... D'ailleurs, il est sur les documents philatéliques que j'ai achetés tout à l'heure à la Bourse aux objets d'Orval, qui se tenait à Florentville, qui n'est pas loin d'ici. Et donc, pour les Français, cette bière d'Orval, on se bat. Moi, je ne comprends pas ça. On se bat. Ben, je suppose que la production est quand même limitée, hein, évidemment. Ça se fait ici, je crois. Enfin, j'y connais rien, mais je crois que ça se fait ici. Alors, c'est les trappistes. Bon, bah, c'est les trappistes ou c'est pas les trappistes. Enfin, j'en sais trop rien, moi. Mais toujours est-il que tous les cafés, tous les endroits où vont les consommateurs de bière n'ont pas nécessairement la bière normale. Et donc, on se bat, hein, et notamment en Flandre. Ben, il n'y en a pas, ou peu, et donc parfois on a des demandes, amène-moi un casier de, enfin, un casier ou un pack de 6 bières d'Orval. Bon, allez, je vous montre encore un peu, parce qu'ici on va quand même passer sur notre sujet, hein, qui est aujourd'hui les IgG, les immunoglobulines G, qu'on décrit tellement, et c'est ça qui m'interpelle. Si vous voulez, le dosage des IgG, des immunoglobulines G, donc ça s'écrit I majuscule, G minuscule, G majuscule, est quelque chose à la fois de très utile et de très controversé.
Alors, c'est un peu bizarre hein, que ce soit associé. Normalement, si c'est utile, ben, ça ne devrait pas être controversé. Alors, un des buts de cette petite vidéo est de vous expliquer un peu pourquoi c'est controversé et donc de réhabiliter un peu l'usage de ces dosages IgG que j'ai déjà évoqué dans d'autres capsules, mais pas en détail. Aujourd'hui, je vais le faire en détail. Je vais vous expliquer vraiment pourquoi c'est vraiment, vraiment, vous voyez que j'insiste, utile. Et l'ennui, si vous voulez, avec ce type de dosage, c'est que les premiers tests qui datent d'il y a bien longtemps étaient vraiment peu fiables, surtout peu reproductibles et pas quantitatifs. C'était qualitatif, donc avec des croix, soit négatives, soit une croix, deux croix, trois croix, ou quatre, enfin ça dépendait des labos. Donc des croix, c'est pas très médical ça déjà. Hein. Et alors le pire du pire, c'est que si on faisait deux fois le test, enfin la batterie de test avec la même patient, c'est qu'on n'avait pas nécessairement deux fois le même résultat. Bon, je ne vais pas dire que les résultats étaient aléatoires, mais ils n'étaient pas tout à fait superposables. Bon, donc ça, terminé, on n'en parle plus. Et donc moi, je ne faisais pas ça du tout. Et puis, je crois que ça doit se passer il y a une trentaine d'années, un peu moins peut-être, 28 ans. J'ai un collègue qui m'a montré comment lui utilisait ses tests. Et alors, il faisait réaliser ses tests par un labo qui était tout à fait rigoureux. Et si vous voulez, le secret là, c'est de faire les tests IgG par des firmes spécialisées en allergologie qui ont une énorme expérience et qui ont pignon sur rue, qui sont tout à fait connues et reconnues pour faire les tests IgE, les immunoglobulines E, qui sont évidemment tout à fait classiques, tout à fait promues, acceptées et promues par l'allergologie universitaire, on va dire. Et tous les médecins connaissent, évidemment. Et donc, l'IgE, si vous voulez, c'est les allergies que vous avez déjà repérées en général parce que ce sont des réactions immédiates et sévères. Ce sont vraiment des choses spectaculaires qui peuvent aller jusqu'au fameux choc anaphylactique où, comme le mot choc le suggère, vous avez un risque vital, hein, des pertes de connaissances, etc. On est dans du très grave et du très lourd. Donc ça a existé de tout temps. C'est comme ça qu'on repère, avec ces IgE, qu'on repère les allergies respiratoire classique au pollen, aux poils d'animaux, aux poussières de maison, aux acariens, Dermatophagoides pteronissimus. Si vous cherchez les IgE acariens, il est intéressant de faire aussi Dermatophagoides farinae, parce que parfois c'est positif alors que le pteronissimus ne l'est pas. Hein, donc ça, ce sont les acariens qui abondent dans les oreillers et qui peuvent donc vous donner le nez bouché ou les yeux un peu infectés, un peu collés le matin au lever. Et puis qui peuvent évidemment donner des problèmes plus sérieux, tout dépend de l'intensité. Ce sont les réactions acariennes se font beaucoup plus à l'automne. Hein, quand attendez, je vous montre un peu
le clocher là, à l'automne, quand il fait plus humide, plus froid et humide, et surtout quand on commence à fermer les fenêtres, et donc tout ça mijote dans les chambres à coucher. Alors, donc ça c'est IGE. Et les firmes qui font d'IGE, ben, le font depuis des éternités. Hein, et bien entendu, elles ont une grande maîtrise de cette technologie. Parce que toute la difficulté avec ces tests allergologiques... Ah ben ici on a une bonne vue. De quoi se plaint-on? Regardez, voilà. Okay. Donc, on peut dire que vous aurez vu l'abbaye d'Orval. Et moi aussi. Et Goliath n'en a rien à faire, hein, comme vous pouvez vous en douter. Hein, mais c'est pas mal. Et alors, il y a une partie, je ne suis jamais venu ici, il y a une partie vous voyez, à l'avant où on a gardé les ruines. Vous voyez, il y a une partie qui n'a pas été rénovée et qui montre les anciennes ruines. Bon, bah, j'ai bien fait de monter ici pour voler un peu de vue dans un endroit qui est chien et demi. Bon, assez avec Orval parce que notre sujet, ce sont les IgG. Alors, tout le problème avec ces tests allergologiques, c'est de réaliser une espèce de soupe d'antigène parce que sur un aliment, ici on revient à nos aliments, et alors les IgE existent pour les aliments aussi, bien entendu, mais ça a toujours été reconnu, vous voyez. Test sanguin IgE pour tous les aliments possibles imaginables. Personne ne conteste ça. Mais quand vous avez une réaction de type IgE à un aliment, eh bien, vous le savez. Vous le savez. Parfois, c'est spectaculaire, même gravissime. Et donc, ça, c'est par exemple l'allergie aux cacahuètes, hein, qui peut être mortelle pour les enfants. Enfin, ce sont des choses dramatiques et tout à fait... rare, mais parfaitement mainstream. Mais bon, il y a plusieurs allergènes dans la cacahuète, vous voyez. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir une soupe, et puis je ne parle pas spécialement de la cacahuète en général, pour un aliment donné, vous avez toute une batterie d'allergènes. Et donc, le but, pour ne rien rater, est de faire une soupe avec tous ces allergènes, et c'est à cette soupe que va être confrontée une gouttelette de sérum pour voir si ça réagit ou pas. Je n'entre pas dans le détail de la technique, ça ne nous intéresse pas, je n'y connais pas grand-chose dans toutes ces manipulations. Ce qui m'intéresse, c'est un résultat fiable. Donc les résultats IgE ont toujours été considérés comme fiables et reproductibles. Ils sont strictement quantitatifs, vous avez une valeur bien précise. Eh bien, quand vous avez ces firmes expérimentées en allergologie qui ont une maîtrise de la technique et qui font la même chose pour un IgG, eh bien vous avez de bons IgG. Vous avez des IgG à la fois reproductibles et précis, parce qu'ils sont quantitatifs, ok. Et bon, je me suis un peu méfié au début, comme ça avait mauvaise réputation, j'ai quand même fait, Goliath, non, là, il y a une barrière, mon petit. Regarde, on va pas aller nulle part, là. Viens par ici. Non, va pas par là. Oh, mais il est têtu comme une mule, hein. C'est pas un chien que j'ai, c'est une mule. Allez, viens vite. Non. Allez, grimpe. Par ici, regarde, là, il y a un beau chemin. Oui, voilà, très, très bien. Très, très bien. Et donc, ça me satisfaisait, mais je me suis méfié au début. J'ai déjà dû raconter ça, je ne sais plus dans quel cadre. Quand j'étais à mes débuts dans la technique, je vous avoue que j'ai demandé à l'un ou l'autre patient très fortuné, écoutez, c'est nouveau, est-ce que ça vous dérange si on prélève 3 tubes au lieu d'un ? Et je triple les analyses à votre nom et au nom de membres de la famille, mais qui n'étaient évidemment pas du tout impliqués. C'est un peu limite, hein, mais bon, voilà, j'ai voulu en avoir le cœur net. Et je vous dis, on va faire ça, on va être certain de notre coup, voir si tout revient tout à fait superposable. Bon,
Aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais peut-être dû demander au labo de faire ça à l'intérêt scientifique. Mais bon, c'est quelques euros pour des gens qui en ont des des millions de fois plus, pour ne pas dire des milliards. Franchement, ça ne dérange personne. Et bon, c'est surtout que ça, c'est au moins c'est fait, si vous voulez, en aveugle. Parce que si vous dites au labo, oui, mais bon, ouais, on se demandait, ils vont peut-être faire plus attention. Oui, j'avais des doutes, parce que le monde médical universitaire avait des doutes. Et il y a si longtemps, il n'y a pas longtemps que j'étais sorti de l'université, donc je respectais cette influence, je la respecte toujours, mais j'ai compris qu'il y a quand même un peu des choses à prendre avec des pincettes. Et donc, ainsi fut fait, et les résultats sont revenus, mais alors, pas identiques, parce que à la décimale ou à la centésimale près, il y a des petites fluctuations. En tout cas, l'interprétation qu'on en tire est strictement superposable. Donc, c'est bon. Et alors, maintenant, il est temps que je vous explique pourquoi et comment j'utilise ces IgG. Donc, les IgG sont des allergies qu'on appelle retardées, si vous voulez. Donc, ce sont des choses beaucoup plus discrètes. Et en général, le patient ne ressent pas les réactions IgG. Il ne sait pas que ça se passe, alors qu'il le sait pertinemment bien avec les IgE. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai oublié. Par exemple, si vous avez une allergie IgE aux amandes ou aux noix, les noix de Grenoble, eh bien, vous allez avoir la langue qui picote ou la gorge qui chatouille, ce qui n'est pas très rassurant. Ne jouez pas trop avec ça, hein, parce que ça picote, la gorge chatouille jusqu'à ce qu'elle se resserre et que vous étouffiez. Donc ça, c'est de l'IgE. L'IgG, il n'y a rien. Le patient ne constate rien. D'où l'intérêt d'explorer. Et alors, l'IgG ne s'exprime pas au niveau cutané, contrairement à l'IgE. Donc pour les IgE, vous pouvez aussi faire, plutôt qu'une prise de sang, ce qui est évidemment intéressant avec des enfants ou des petits-enfants, des tests cutanés qu'on appelle des prick tests. J'en ai fait, j'avais le matériel. Bon, maintenant, je ne l'ai plus. Surtout que ça se périme, tous ces mélanges. Mais bon, voilà, on envoie aux allergologues qui font des prick tests aux enfants. Et ça m'arrive régulièrement de demander ça dans des cas d'allergies complexes. Parce que vous pouvez très bien avoir des allergies IgE et IgG et qui ne sont pas les mêmes. Ah oui, c'est pas si évident que ça. Chaque cas est différent. Bon, ça, évidemment, le propre de la médecine fonctionnelle. Regardez, on voit le sommet de l'abbaye, là, derrière le bois. Et donc, ces IgG sont intéressantes parce que, d'abord, pour deux raisons. Parce que, d'abord, je vous parle pas de valeur borderline, un petit peu plus hautes les unes que les autres, ça c'est pas très utile. Ce qui est utile, hautement indispensable, si vous voulez mon avis, c'est de repérer des grosses réactions à des aliments, et de nouveau le patient ne le sait généralement pas. Rarement le patient a subodoré qu'il avait un problème avec un aliment, et je trouve beaucoup d'IgG, mais c'est plutôt l'exception que la règle. Mais ce qu'on va trouver, classique, c'est quelqu'un qui a des taux très élevés d'IgG vis-à-vis des œufs. Alors, parfois, il y a une nuance. Parfois, c'est plutôt le blanc d'œuf. Parfois, c'est plutôt le jaune d'œuf. Souvent, les deux. Parfois, un est beaucoup plus marqué. Auquel cas, c'est plus souvent le blanc qui est plus allergisant que le jaune. Et donc, on doit interdire les blancs. En tout cas, provisoirement, et autoriser les jaunes. Parce que les taux d'IgG, si vous voulez, vont évoluer. Et pour garder l'exemple de l'œuf, qui est quand même un très bon exemple, parce qu'il est à la fois courant et flagrant, hein, les œufs sont omniprésents dans l'alimentation. Ben, si vous avez de fortes réactions, on va dire à l'œuf, pour faire simple,
et que vous continuez à manger des œufs et de la mayonnaise et je ne sais pas moi des meringues, oui voilà je vous disais des meringues hein, faites avec du blanc d'œuf, de la mayonnaise faite avec du jaune d'œuf, etc. etc. Tous les jours vous allez être exposé à de l'œuf et pendant ce temps-là vous prétendez en tant que médecin fonctionnel ou en tant que nutritionniste fonctionnel, vous prétendez remettre les intestins du patient ou de la patiente en bon état. Vous n'allez pas y arriver. Vous allez foirer votre cas parce que vous avez raté une allergie IgG sévère qui ne se manifeste pas cliniquement et que vous devez donc détecter par le laboratoire. Alors bon, moi je ne suis pas pour les grands panels, pas du tout, hein, pour les grands panels avec 100 ou 200 aliments, c'est cher d'abord, c'est un peu du business, il faut bien le dire, hein. Bon, ouais, soyons honnêtes, moi je fais pas ça. Pour un nouveau patient, il m'arrive de tester quand même 25 aliments. Bon, si le budget est étriqué, j'en teste 10 ou 6, voilà, je m'adapte. Et qu'est-ce que je teste? Je teste à la fois les aliments les plus allergisants, où il y a beaucoup plus de risques d'avoir une allergie. J'ai mentionné les œufs, mais il y en a d'autres. Enfin, ce n'est pas le sujet ici, parce que sinon on n'aura pas le temps. Et surtout des aliments que le sujet consomme en abondance, régulièrement ou beaucoup, d'une manière ou d'une autre. Okay? Donc ça c'est la technique. Choisir des aliments en mélangeant à la fois la fréquence, l'abondance d'un côté et le caractère allergène de l'aliment de l'autre. Okay? Alors, bon, il y a beaucoup d'aliments potentiellement allergisants. Et moi, j'ai déjà vu des allergies au poulet qui sont rarissimes, mais qui peuvent se manifester de manière très invasive, très agressive. Donc, il faut se méfier de tout. Maintenant, celui qui mange du poulet deux fois par mois, est-ce que ça a beaucoup d'intérêt? Bof. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tester les aliments qui reviennent régulièrement. Goliath, là, il y a la route, là. Si on redescendait. Hein? On fait pas ce qu'on veut avec Goliath. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on teste les IgG. Et alors, imaginons que vous avez cette réaction forte d'IgG à l'œuf. Eh bien, vous enlevez les œufs. Si c'est une réaction moins spectaculaire, ben vous les réduisez, il ne faut pas avoir cette espèce de frénésie de tout enlever. C'est quoi ça? C'est interdit. Ah, on interdit. Ah, Et puis alors vous allez voir quelqu'un d'autre qui va vous interdire un peu d'autres trucs. Donc vous allez manger des carottes râpées et des épluchures de topinambour et vous allez mourir de faim. Donc ce n'est pas dans le but d'interdire. Mais parfois, j'ai des réactions exceptionnelles. Et bien entendu, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, les protéines laitières, hein, caséine, bêta-lactoglobuline, voire alpha-lactalbumine. Bon, là vous allez trouver des gros, gros trucs. Et donc là, je vous renvoie au webinaire sur les tâches qu'on vient de shooter récemment et sur d'autres vidéos que j'ai faites sur les laitages, tout ça évidemment est intéressant parce que ça vous donne tout un tas de sous-groupes de patients qui peuvent prendre certains produits laitiers et pas d'autres. Mais je ne vais pas revenir sur les laitages puisque aujourd'hui on veut vous amener des éléments nouveaux. On va reprendre notre exemple des œufs. Si vous avez des IgG très hautes vis-à-vis et du jaune et du blanc, ben alors vous enlevez les œufs et tous les dérivés pendant 4 mois, puis vous pouvez retester et vous allez voir que ça s'améliore. Parfois spectaculairement, l'œuf s'améliore
assez spectaculairement. C'est une bonne chose parce que vous pouvez régler un problème. Alors l'amélioration sera d'autant plus spectaculaire que vous prenez par ailleurs d'autres mesures pour remettre les intestins en ordre. Parce qu'évidemment, c'est une stratégie. Il y a souvent derrière ça aussi une perméabilité intestinale accrue à cause du gluten et ce genre de choses. Ok. Donc, ça fait partie d'un tout, évidemment. Mais quand vos IgGE sont rentrés dans des zones plus acceptables, alors vous pouvez vous remontrer plus tolérant et les réintroduire prudemment. Et vous verrez que si pendant cela l'intestin est guéri ou en bonne voie de guérison, eh bien ces IgG, c'est quand même froid, hein, 2 degrés, ne remontent pas parce que la muqueuse intestinale ne laisse pas passer les antigènes et donc le système immunitaire n'est plus énervé par le fait que vous consommiez des œufs ou des dérivés des œufs, vu que il n'est pas exposé à ces antigènes en direct. Il est exposé aux acides aminés que vous obtenez par la digestion des protéines venant des œufs. Voilà. Et si vous trouvez des IgG élevés, très élevés pour le blanc d'œuf, ben vous allez interdire la meringue, mais pas la mayonnaise. Et réciproquement, si c'est une grosse réaction jaune d'œuf, ben vous allez interdire la mayonnaise et pas la meringue. Hein? Voilà. C'est individualisation. C'est ça qu'on veut. OK? Alors, la deuxième grande utilité des IgG, bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est très facile à expliquer, c'est quand vous faites un petit bloc d'IgG, typiquement 6, avec 6, on en a déjà assez. Pourquoi 6? Parce que parfois, il y a des seuils, hein, les laboratoires proposent comme ça des petits blocs à prix réduit, donc on en profite, ben, vous en faites 6. Voilà, s'il y a du leaky gut, ben, c'est trop élevé, de manière peut-être systématique, tout est trop haut. Et puis, vous travaillez pendant 4 mois ou pendant 6 mois le thème du leaky gut, vous retestez, vous savez tout de suite si votre muqueuse intestinale est moins perméable, donc si vous êtes sur la bonne voie ou si vous avez réglé le problème, et vice-versa, si vous avez raté votre coup ou si le patient ne vous a pas écouté, eh bien, vous n'avez pas de progrès de cet IgG moyen, ok, qui reflète la perméabilité intestinale. Et ça, c'est super intéressant. Pas besoin d'aller faire des tests spécifiques pour savoir si l'intestin est plus ou moins perméable. Vous jouez avec vos petits panels IgG. Voilà, j'espère que je vous ai appris quelque chose. La vidéo se termine. Un tout petit morceau d'Orval pour finir. Un gros bisou de Monsieur Goliath. Que voici, que voilà. Oh, 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 oui. Voilà. Et à la prochaine. Merci de la fidélité. Tous les vendredis, 19h30. Il y a de plus en plus de monde sur les live chats. Bye bye.